we used to start at 8 o'clock. What we do is we had to be in Zero. And then there was a song that we had to sing. I don't remember this song, you know. Also, you have to show a handkerchief. That means you came in here, you know, clean with a handkerchief. Attends, tu devais montrer tes ongles aussi. Yeah. This and the handkerchief. If you don't show the handkerchief, you go to see the principal. They told it to me once. I did not have a handkerchief. I have to go to the principal. You know what she did to me? She slapped me on my face. She said, don't you dare coming to school without a handkerchief. Okay, yeah. Anyway, alors, elle m'a tapé sur le visage. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais et je n'avais pas de mouchoir. Mais qu'elle me donne un mouchoir. Il n'y avait pas de ça t'apprendra d'avoir un mouchoir. À ce moment-là, tous les jours, je ne rentrais pas à l'école jusqu'à ce que j'ai un mouchoir avec moi. Et puis, les garçons et les filles étaient séparés complètement. Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait de communication. Mais non. Il y avait une barrière. Il y avait un tunnel entre les deux, tu te rappelles? Et dans le tunnel, il y avait un type vieux qui vendait des confiseries, des cacahuètes, non, des mammouths, des pochiches concassées. Oui. Ah oui. Naomi. Comme manger dans un tournée. Tout ce que nous prenions le matin comme allowance, on les payait pour celui-là, tu vois. Et ça nous amusait. Mais on n'avait pas le droit d'aller plus loin parce que c'était là où il y avait les filles. Mais il y avait la principale qui s'appelait Madame Pinceau. Elle nous regardait avec un air farouche. On ne vient pas ici! Allez, sortez d'ici, tout de suite. Autrement, on est vraiment bien maltraité, évidemment. Et il y avait aussi la cour où... Partagé en deux, évidemment. C'est pour étudier, c'est pour jouer, pour rigoler, pour taper, les gens, n'importe quoi. Non, on avait, la cour de récréation. C'est ça, la cour de récréation. Aussi, tu n'as pas raconté qu'on rentrait à midi, on rentrait à la maison déjeuner. Oui, à midi, on allait déjeuner. Et puis, quelque chose de très très bon. À 14h de l'après-midi, une fois qu'on avait fini les classes, on allait, je crois, au hallway. Il y avait le rabbin. Le rabbin Eliyahu, on l'appelait. On faisait la prière de Mincha et l'arbitre. Mais ça, c'était seulement les garçons. Seulement les garçons. Les filles n'allaient pas. Et tout le monde priait. Il n'y avait pas un seul qui parlait ou bien qui rigolait, ni rien du tout. Chacham Eliyahu était très strict. Il avait une voix mélodieuse. On l'aimait tellement. Il nous apprenait à propos de l'hébreu. Il nous apprenait surtout la Haggadah. On pouvait dessiner la carte de la France à les yeux fermés. Il fallait les yeux fermés, les fleuves, les montagnes. Tu peux me donner un crayon maintenant et je peux dessiner la carte de géographie de la France. Et pourtant, on ne connaissait pas la géographie du Liban. Du Liban. On n'a jamais su où se trouvait cette montagne ou bien cette vallée. C'était rien. Yeah. C'était surtout la France. On connaissait l'histoire de France depuis... L'histoire, les rois... Vétorix, Charlemagne, jusqu'à la Révolution. Oui. Mais si tu me demandes où est le Litani et les fleuves du Liban, c'est à peine si je peux savoir. On connaissait vraiment de la politique. Mais il ne nous apprenait rien de la politique, en tous les cas, du Middle East, ou bien d'Israël, ou rien. C'était pas Zionist. Oui. Zionist. Même les professeurs arabes. Non. Ils n'avaient rien. Non. Je me rappelle très bien une soirée. On nous a dit que les musulmans vont rentrer dans le quartier juif et vont nous massacrer. Alors, tout l'immeuble chez nous, tous les gens sont venus chez nous. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on se cache L'immeuble des parents de Moïse était juste à l'entrée du Wadi et Babedris et Georges Picot. Alors c'était vraiment le début du Wadi.
Peut-être stupidement, moi je me suis mis au balcon juste pour avoir une idée de ce qui se passe. J'ai vu des milliers de musulmans avec des revolvers et des couteaux, tout ce que tu oui. veux. Allez-y, non il Yehud Klavna ou Israël Blavna. That was the chant that they used to Palestine Blavna. Palestine Blavna. En fin de compte, l'armée libanaise et aussi les Kataeb sont venus et ils ont repoussé. Ils ont bloqué le Wadi. Ils ont repoussé tous ces gens-là et puis on a eu une perle bleue. Et puis de temps en temps, on nous mettait des dynamites à la maison. On nous a mis trois fois chez nous à la maison des dynamites. Notre porte cochère. La grande porte, c'est de l'entrée. Oui, elle avait éclaté plusieurs fois. Je venais juste de rentrer à la maison, ça avait éclaté. Et puis ils mettaient toujours des dynamites sous nos voitures. Toujours après savait, le vendredi, après la mosquée aussi. Oui, et chaque soir on savait qu'une maison va être bombardée. Alors on se cachait, on allait quelque part et on attendait que ça éclate et puis on revenait à la maison. Mais le point après tout ça, tout le monde would forget about it et la vie revenait à la normale. Ce jour-là, on était en marche pour aller à l'école. On nous a dit, ah, l'école est fermée. Je lui ai dit, mais comment se fait-il? Ils nous ont dit, ah, ça a été bombardé. On n'a jamais su pourquoi, pour quelle raison. Une partie. Et quelle partie? Évidemment, on a compris une fois pour toutes qu'on avait mis une bombe qui devait éclater à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, quand tous les élèves étaient là-bas, et ils savaient faire une garbage extraordinaire. Mais heureusement que ça avait éclaté à 6 heures plus tôt, et ça avait tué le principal, Madame Pinceau, et aussi le janitor, je ne me rappelle plus de son nom. Et ça a été un choc extraordinaire de toute la communauté. J'étais à ce moment-là, j'étais voir ce qui se passait. C'était des rabots. Tout était des pierres, c'est tout. Je voulais savoir où c'était ma classe. Je ne pouvais même plus reconnaître ma classe. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un choc pour moi. Comment? Mon école, complètement anéantie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et jusqu'à maintenant, je me rappelle très bien. C'est que une semaine avant, il y avait un concours de peinture. J'avais fait une très jolie peinture moi-même et la professeure, Madame Tarab. Madame Tarab. Oui, moi j'ai eu Madame Tarab. Madame Tarab était avec tout le monde. Alors, tout le monde elle avait accroché en classe même. Elle m'a dit, voilà, ça c'est une œuvre, une très bonne œuvre. Et puis, une semaine plus tard, tout était détruit. J'étais là-bas pour chercher ma peinture, je ne l'ai pas retrouvée. Il la cherche toujours. Il doit la recréer maintenant. C'est pour ça que maintenant je fais de la peinture. Il a repris le dessin. On ne cherchait même pas à savoir, franchement, parce que avec qui vous allez demander? C'était toujours hash-hash. C'est à qui vous allez vous renseigner, la police va vous dire? Personne ne va vous raconter. On dit, ce qui se passe. C'est la même chose qui se passe maintenant, quand même. Oui. La situation n'a jamais changé. On n'a jamais su qui a pu mettre les bombes. Et pourquoi donc? Et pourquoi ils veulent annihiler les juifs de Beyrouth? À ce moment, l'Alliance a été construite avec comme un mur tout autour, et une grande porte. Mais c'était toujours dans la même location, en tous les cas. À ce moment, on n'avait plus le petit tunnel qui passait. Nous avions une barrière entre les garçons et les filles. C'était comme un chain link fence in between. Mais ça ne nous empêchait pas de jeter des coups d'œil de l'autre côté. Aussi. Et nous aussi. Et vous de même.